Hey yo tout le monde, c'est Sky, on se retrouve pour une vidéo, c'est-à-dire la présentation de ma map Call of Duty 2, une map que j'ai faite il y a pas longtemps. Voilà. Donc je me montre, connard ta gueule, arrête de me spammer, spawn. Je ne montrerai pas les secrets de la map. Je ne compte pas montrer les secrètes. Les secrètes, les secrets. J'arrêterai la vidéo au moment où je passerai dans le secret. Enfin bref, voilà. Donc, quand on spawn, on est ici. J'ai pris mon gem pistol, tranquille, tu voyez. La zone de spawn, c'est tout ça. Il n'y a pas... pas faire autrement. Donc, je vais présenter couleur par couleur. Donc, le bleu. Le bleu, c'est une camp assez bien. J'ai pas mes 333 FPS, c'est chiant pour monter. Voilà. Donc tout simplement, vous allez vous caler ici. Et... voilà. Donc après dans le bleu, il y a cet endroit là. C'était exactement pareil des deux côtés. Voilà. Et quand on tombe, eh ben on meurt. Voilà, ça paraît logique. Donc on passe au marron, dans le marron sur les côtés. C'est pas la meilleure des camps, mais c'est une camp déjà assez bien. J'ai laissé les trous comme ça pour donner un coup des futuristes. Mais j'ai fait qu'on ne puisse pas tirer à travers non plus. Donc ici c'est une crampe assez bien. Voilà, tout simplement vous vous calez ici comme ça. Voilà, donc s'il y en a qui arrivent par ici vous les tuez, et par ici vous les tuez plus facilement car ils sont plus longs. Wally Wallou. Et on peut pas monter dessus. Donc on passe au vert, c'est une des camps les plus cheatées. Parce que vous vous calez comme ça et vous attendez que les zombies passent au milieu. Voilà. Après il y a le rouge tout simplement qui est une des camps les plus cheatées. Voilà. Donc ici c'est un petit parcours de jump, et si vous tombez, bah voilà tout simplement, vous êtes téléporté dans la prison qui est juste derrière. Donc si vous réussissez, bah, c'est juste une bonne petite camp. Je déteste les freezes. Voilà. Donc c'est juste une camp normale. Hein. Et dès que vous les poussez pour qu'ils tombent, ils vont spawner là et vous allez faire une freeze. La
rapide, hein, parce que là... Enfin bref, je vous ai tout présenté. Bon, maintenant on se retrouve dans le secret à la fin de la vidéo. Donc je viens de me téléporter dans le secret et on est dans un des piliers. Il suffit de s'accroupir pour être dehors et vous voyez, on traverse le pilier. Attendez, j'y retourne pour vous. Voilà, les gens, on y est dedans. Donc il y a un téléporteur pour se retrouver là-bas au centre. Et il est que là, comme vous le voyez. Il y a des armes. Donc ça c'est une MP44 de base. Ça c'est une Sten. Là il y a un Springfield. Et là une PPS42. Et donc quand on traverse, on peut... Bah voilà. On peut tirer à travers, mais de dehors on peut pas tirer. C'est assez cheaté, attendez, je remonte. Voilà, on est encore dedans. Donc on a notre téléporteur. Quand on est dedans, on peut tirer à travers. Et quand on est dehors, on peut pas tirer. C'est ça qui est bien. Donc si on se TP, ben, on était pas au-dessus du spawn. Voilà. Donc maintenant on se retrouve dans le secret de ces armes là. Relégeant, donc voilà, on y est. Dans la carte des armes. Donc quand on est ici, voilà. Donc on peut sauter directement sur les... Oh putain, j'y retourne. Relégeant, donc on y est encore une fois. Donc oh putain, je suis tombé. Mais merde, bon j'y retourne. Donc on y est, donc on a simplement à sauter sur l'arme. Donc là nous avons une belle AK-47. Oh putain, je suis encore tombé à cause de ces frises. Bon j'y retourne. Voilà, on y est encore une fois. Donc ici on a une belle P90. Un rechargement bien bugué. Seul problème. Voilà. Donc là-bas on a encore un Springfield. Oui c'est ça. Ou alors c'est un... Non. C'est un... Mosin-Nagant. Exactement. Bon je retourne au secret encore une fois. Voilà. Ça c'est un Mosin-Nagant. Et ça c'est notre Sten. Et merde. Bon pas grave. Ceci c'est la Sten. Ceci c'est le Nagant. Donc je vous retrouve dans l'autre secret. Voici un des autres secrets. On est sur les piliers et on peut se déplacer de pilier en pilier. C'est assez utile puisque nous pouvons aller sur les murs. Je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà. Donc je vais vous montrer le dernier secret. Le secret exprès pour les zombies, le secret le plus cheaté de la map. A de suite. Voici le secret le plus cheaté de la map. Voilà. Il n'y a que des Springfield ici. Que de ces merdes. Et pour sortir, simplement, vous sautez et vous faites utiliser. What? Ça marche pas. Oh merde, il faut avoir 333 FPS. Donc, Bah, je vous reprends. Il veut pas cet enfoiré. Bon bah je vous reprends quand je suis sorti de... Et donc voilà, je viens à peine de sortir de cette camp. Il faut 333 FPS pour en sortir. Donc je trouve ça un petit peu con. Je remodifierai sans doute la map pour la V2. Donc voilà, nous sommes totalement au-dessus de la map. Et ils ne nous voient pas d'en dessous. On a simplement à prendre un Springfield et venir se caler au-dessus de la map. Donc comme vous voyez, là je suis descendu d'un étage. C'est simplement fait exprès. Et là, vous voyez, on peut remonter sur l'étage. Et si on passe accroupi, et ben voilà. Et cette limite là va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la map. C'est-à-dire, elle sort de la skybox. Voilà. Je suis sorti de ma propre map. J'ai glitché. Donc ce glitch n'est pas utile pour la MTR ni rien, donc cela ne servira à rien. Donc voici la fin de cette présentation. Voilà la fin. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.